Bonjour, nous sommes toujours dans le Vermont. Aujourd'hui, c'est la première vraie journée de neige avec 2 cm de neige qui tombe par heure et ça pendant 8 heures. Je vous laisse faire le calcul. Et ce qui est amusant, c'est que la semaine dernière, il y a 2 flocons qui sont tombés en France et j'adore regarder les reportages de ces gens qui disent « Oh, je n'ai pas été prévenu, je suis resté coincé 3 heures, que fait le gouvernement? Il doit démissionner ». Ici, c'est tout l'inverse. On est prêt. On a les pelles, les balayettes pour nettoyer les voitures. Et il faut reconnaître que les Vermonteurs, les natifs, adorent la neige. Quant à moi, j'ai un peu de mal à m'habituer à la conduite sur neige. Mais par contre, je suis définitivement amoureux des paysages enneigés du Vermont. Et les paysages magnifiques, ça commence par la rivière Winooski qui commence à geler. Il reste quelques traces d'eau liquide, mais là, la glace commence à prendre le dessus. Et il y a quelques semaines encore, je pêchais à cet endroit. Octobre et novembre sont des mois un peu déprimants. La nature est triste, il fait froid, il pleut tout le temps. Et là, nous sommes passés dans l'hiver. Et dans l'hiver, dans le Vermont, c'est hyper agréable. La nature s'apaise, les bruits deviennent plus doux et il y a une espèce de sensation de se promener dans une œuvre d'art permanente. Vivre dans une œuvre d'art glacée est un privilège incroyable.